crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. On vit dans une drôle d'époque, mon pote, prépare ta bouée. Parce qu'on se fait mener en bateau, faut l'avouer. L'atmosphère est pesante, y'a trop de paranoïa. Depuis le calendrier Maya, sûrement qu'il y a de la Maya à se faire. Derrière ça, y'a trop de coups fourrés. Zarbi, regarde les forêts, même les arbis poussent plus comme avant. On avance, mais c'est plus comme avant. Y'a trop de doutes, est-ce qu'ils font des coups en douce? Est-ce un prétexte comme ce virus? C'est louche comme la mort de Coluche. Louche comment ils épluchent chacun de nos cas. On est juste un encas, jusqu'à temps qu'ils nous foutent leur putain de puce RFID. Trop gros c'est la ficelle, j'calcule pas ces réflites. J'reste fidèle, qu'à Dieu et les miens. Comme Denzel, j'fais les choses bien sans faire trop de zèle. Comme Cassel Mathias, j'reste en place pour la résistance. Dans ce monde étrange, tout change, mais pas leur vice ni leur crime. Ils veulent nous endormir face à l'écran pour qu'on crève dans la déprime. J'ai la rage quand j'vois même les grands rentrer petit à petit dans le rang. Tout change, tout change. Je vais vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Pas besoin de mathématiques pour calculer qu'on est rien pour la politique. Tous des bâtards en starco. Et Manila du vide comme Sarko. Tous cherchent à ramollir nos cerveaux. L'union fait la force, donc ils nous divisent en créant des guerres atroces. Je te parle des gros boss, ceux qui tirent sur les ficelles, tout est lié. Ils attirent notre attention à l'aide des médias. Fabriquent des mises en scène pour nous manipuler avec la peur. Je te parle du World Trade Center et de la tour numéro 7. Remémore le décor, tous ces morts qui sont pris pour des insectes. Vérifie sur les dollars tous les signes subliminaux. Je te parle de ces sectes et leurs sociétés secrètes. Bohemian Club, le hibou ravi jubile. Bilderberg, le crâne et l'os. Là où Bush a préparé ses boucheries. Je te parle de la franc-maçonnerie Illuminatis. L'âge de la tromperie a pris de l'ampleur. Beaucoup finiront en pleurs, il s'agit pas d'avoir peur. Gardons une lueur d'espérance. De plus en plus pensent que tout n'est qu'un leurre. Faut qu'on éteigne leur vide minable. Tout leur est favorable. Depuis qu'ils ont créé la réserve fédérale illégalement, ils fabriquent l'argent contrôle. Le gouvernement achète les politiciens. Je te parle de ces gros chiens qui décident qui monte au pouvoir. Dans ce monde étrange, tout change, mais pas leur vice ni leur crime. Ils veulent nous endormir face à l'écran pour qu'on crève dans la déprime. J'ai la rage quand je vois même les grands rentrer petit à petit dans le rang. Tout change, tout change. Une troisième tour. Le bâtiment 7 s'est écroulé le 11 septembre sans avoir été heurté par un avion. Elle s'est brusquement affaissée en moins de 7 secondes. De Bilderberg à Zuckerberg, tous ont retourné leur veste. Un monde étrange qui nous emmène vers l'époque du métaverse. Univers digital, argent numérique, un turfus en liquide. Si tu refuses, tu crèveras la dalle. Une opération psychologique, un contrôle total. C'est le but principal du nouvel ordre mondial. Ces bâtards nous baladent, le 11 septembre est une imposture qui leur donne carte blanche pour attaquer l'Afghanistan et l'Irak. Crac, bouche remet une carte, touche, braque. Le pétrole, drôle de coïncidence. Y'a pas d'ADM, même les soldats se font balader comme dans Green Zone. Aaron Rousseau l'avait prédit. Pendant que la couronne s'agrandit, ces bâtards prônent le satanisme. Falsifient les religions, font des infiltrations au Vatican et dans les églises. Les pratiquants de l'islam sont salis par le terrorisme qu'ils ont financé pour la mise en place d'un état policier. Ça y est, on y est, faut pas le nier ou faire le nia. On a mis un doigt sur la main cachée. J'm'en bats la race qui mettent en place leur projet Blue Beam, Tazebi. J'rembobine leur film de boule, faux fil de balle dans leur antéchrist. Quoi qu'il se passe, reste en place comme Serge Mona. Tout est en place à tous les niveaux. On est en train de tout instaurer, de changer le système judiciaire, les lois, sans que les populations s'en rendent compte, parce que pendant ce temps-là, on leur donne du pain et des jeux. On leur donne des loteries, on leur donne n'importe quoi pour qu'ils ne prennent pas le temps de réfléchir, de voir qu'est-ce qui se passe. On, c'est ceux qui veulent instaurer le nouvel ordre mondial. Par exemple, au niveau des Nations Unies, ceux qui font partie de la commission trilatérale, si on veut mettre des noms comme Rockefeller, Rothschild, les Illuminati, la franc-maçonnerie internationale, ce sont eux qui sont en train d'installer ce nouvel ordre-là. Merci, Savona. Ben, j'espère que vous serez toujours vivant. C'est quoi le but ultime à tout ceci? Le but ultime, c'est de placer une puce RFID en chacun des gens de ce monde. Ainsi, tout l'argent et le reste seraient dans ces puces. Et si quelqu'un se dresse contre nos agissements ou s'oppose à notre volonté, on n'a plus qu'à éteindre sa puce.